Vous voulez vraiment qu'on commence? Vous voulez vraiment qu'on commence? Mais vous êtes complètement fou, je veux dire. C'est juste pas possible. Ok, on va dire qu'on va commencer, vous l'aurez voulu. Bienvenue dans ce nouveau stream. Oui, la musique est peut-être un poil fort, on va la baisser un petit chouïa. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Et donc, on est dans le stream numéro... Je prends mes notes. Guy, mes notes, vite! 167, sauf erreur de la régie. Je regarde la régie. Oui. Oui. Non, mais, non, ça c'est... Non. Oui. 167. Ok. Stream numéro 167. Et donc, on va retourner dans du vieux gros pixel, là, qu'on va retourner dans tous les sens, ou qui va peut-être me retourner, parce que parfois, il faut admettre qu'on tombe quand même sur des trucs qui sont relativement injouables. Et moi, quand j'ai vu le nom de ce titre, et puis que j'ai vu surtout sa date, en fait, je me suis dit, je vais avoir très mal, toi. Donc, je me suis renseigné. MX5000, c'est le titre du jeu qu'on va streamer ce soir. Je suis allé voir sur Internet parce que je suis quelqu'un de super malin, et donc je suis tombé immédiatement sur le sujet qu'on va aborder, qui n'est rien d'autre que ça. Et oui, un MX5000, sache-le, cher ami, ce n'est pas un clavier Logitech, mais c'est cet appareil de tonte fort sophistiqué qui devrait faire des malheurs dans les salons et maisons de retraite, je pense. Trêve de conneries, si je lançais même, et qu'on s'envoyait en l'air sur ce damné MX5000, car, après tout... Et oui, on est là pour mourir! Petit pontage même protocolaire. J'y retourne, jamais peur, jamais mal. Deuxième pontage même, ça c'est la grosse classe par contre. Je vais donc fermer toutes mes autres applis avant, parce que je sens que j'ai un ami qui me veut du bien. Et je vais vite lancer le jeu avant que ça replante. Oui, vas-y. Merci la régie, vous avez le retour vidéo. C'est parfait. Regardez-moi ce check de ROM. Regardez-moi ce design sophistiqué intégralement fait à la palette graphique sur Atari ST. 1987. Oui, on est dans la période Atari Amiga. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, ça y est, c'est bon, je suis Top Gun. Ça va défourailler au-dessus des cités. Ah, ah, ah! On me signale dans l'oreillette que les bubblegum roses, ce sont donc des DCA. Ok. Faudra juste que je m'en rappelle, en fait. Bon, de la violence, de la destruction, tout va bien se passer, on va dire. Je sais pas, je pense que j'ai une appréhension, parce que je vais mettre du ton à me dire que ces bubblegum roses sont des tirs de DCA, et je pense que ça va m'être fatal. Oh, regardez-moi ça, une démo d'un autre tableau. Non, je n'en puis plus, j'en appuie plus. Je dois rusher dans ce jeu. Et je pense que sa jouabilité va beaucoup me plaire. Alors là, je fais les signes avec les doigts, vous ne les avez pas dans le retour vidéo qui n'existe pas. Mais effectivement, va beaucoup me plaire. Ça sent, je sais pas, t'as un nom quelconque déjà, mon pauvre jeu, donc tu pars avec un a priori, je te raconte même pas. Waouh, scénario. Ils ont pété ma base, alors je suis parti à leur poursuite pour leur péter la gueule moi aussi. Ouais, c'était un dimanche matin, j'étais pas super luné, faut dire, la veille avec Georgette, on avait joué au steak poker, elle avait gagné, j'ai dû me crever les yeux, c'était dramatique. Comment ça, je raconte toujours autant de conneries pendant les streams? Mais non, pas du tout. J'ai essayé le deuxième bouton, madame. Oui, je peux tirer au sol avec le deuxième bouton. Ce qui veut dire clairement que je n'ai pas de bombe. Oh, j'ai deux jauges. On n'est pas encore dimanche, calmez-vous, on n'est pas encore dimanche. Et donc, j'ai deux jauges. Donc, cette fois, le S, derrière jauge, est tout à fait justifié. De la jauge, pour les gens qui ne suivent pas, qui débarquent. Mais bon, on va y arriver. Et donc, il y en a une qui monte, et il y a l'autre qui...
Bah oui, c'est ma réserve. Ma réserve de quoi, vous me direz? Pas de bubblegum déjà, on peut en être sûr. Je suis très bien là, je bouge plus les gars. Non, mais vous tirez pas, j'en profite. Voilà, on va se faire du... Mais non, pas du bisou crack. Me remets pas au début. Putain, non. Non, 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 non. Alors, je disais... Avec Georgette. Et j'ai dû me crever les yeux. Eh les gars, vous êtes pas un peu vifs? Parce que moi, je vous rappelle, j'ai 2 chevaux qui volent. Je voudrais pas être médisant, mais vous avez vu la vitesse de mon vaisseau. Oui, je continue, car j'assume totalement de faire voir ces damnés chmeux à l'audience. Le peuple a droit d'être informé. C'est la liberté et la presse qu'on muselle. Nom de Dieu! Mais merde! Mais... Bon, les bleus surtout. Les bleus, faut se méfier. Les autres, ça va. Ils se cassent, ils ont peur, regarde. Bouh. Bouh. Ah, ça y est, voilà les chewing-gums. Des DCA, pardon. Je vais pas y arriver avec ces DCA. Ça va être tragique. 1987, ils savaient faire ça, les mecs. Oh, moi, je suis un poil déçu. Alors, là, tout de suite, je dois vous avouer, dans le feu de l'action... Ih, te crache pas. Dans le feu de l'action, j'ai pas honnêtement une idée de titre à vous dire qu'il y avait en 1987, mais croyez-moi sérieusement, il y avait foutrement mieux que ce Top Gun Simulator qui déjà me... Infirmière, oui, mon vaccin anti-JPG, parce que je vais l'envoyer chier ce gars. Il me gonfle, il ne m'intéresse pas. Genre, j'aurais le choix entre jouer à ça et manger de la macédoine au chocolat avec des truffes. C'est important les truffes. Et bah, je prendrais la macédoine au chocolat. Et ouais, c'en est à ce point-là. Donc, merde quoi. Je veux dire, tire pas dans le dos toi. Pas dans le dos. On a déjà dit, répétez, les gens ne suivent pas. On ne tire pas dans le dos. C'est pas, c'est juste que c'est comme ça. Wopa. Trop d'hésitation, mon ami. Est-ce qu'on repart d'ici? Bon, si on repart d'ici, ok. Si on repart pas d'ici, c'est hors de question que je me fasse une séance bondage en m'automutilant à coup de ce jeu. Parce qu'on est quand même pas loin de l'automutilation. Oui, alors le temps, vous me direz. Mais donc, je vous l'ai dit, 1987, on faisait des jeux vachement mieux que celui-là. Je suis désolé. Donc là, on a un truc, c'est un ramasse-pièces calibré bah, pour faire son job de ramasse-pièces. Mais il n'y a pas à chercher plus loin, quoi. Le truc est chiant comme la mort. Oh, je suis pas encore game over, je suis tristesse. Je suis déception. Comment ça, je me fais exprès de... je fais exprès de perdre. Non, pas du tout. Regardez. Ah, un appel d'un ami sur un téléphone. Oh zut, j'ai pas eu le temps de voir. Merde. Merde, 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 merde. Ce jeu était vraiment génial. Vous savez ce qu'on va faire? Je vous le restreamerai plus jamais. Hein? Parce que moi, MX5000, j'ai vécu sans jusqu'ici. Et je pense que je pourrais continuer de vivre sans. Donc il n'est pas validé. Et il ira dans le grenier, dans cette vieille malle pleine de poussière et d'autres titres qui, comme lui, n'ont pas su nous charmer et nous donner cette satisfaction que nous, schmuppers, cherchons dans un jeu de tir. Sur ce, mes chers amis, je vous dis à bientôt. Petite nouvelle au passage, on a le compte Twitter qui est ouvert, c'est TheBigGameMoski, tout collé avec la robasse devant, vous ne pourrez pas le rater. Abonnez-vous, comme ça vous aurez les news bah, au fur et à mesure qu'elles sont proposées. Et puis voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve j'espère dans un vrai jeu, parce que là ça fait quelques streams que j'enchaîne, et je vous avoue que je commence à en avoir marre du gros pixel carré.